German first, then see if German. But she then says, you need to say this and then. Then I go after or? So we go up when everyone goes up or after each other? So do we go up when the first one comes up? So everyone. Everyone is going to come from the event. And we go with you. And then. Yes. And then you're gonna like one by one. Yes. Okay. So you're after. You're the sixth one. Yes. Okay. Yeah, I think we. Okay. Perfect. Okay. And we sit somewhere. We have to. Resplendis, car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi, et tes porté sur la hanche. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux recouvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Ils viendront des phares de Saba, de Kédar, faisant monter vers Dieu la louange. Étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis. Parmi les nations, tu te glorifieras.
des nations marcheront vers la lumière, et les rois à la clarté naissante. Donc, c'est un peu spécial. Donc, Monseigneur introduit, pas de refrain. Intention 1, refrain. Alors, on ne réintroduit pas à chaque fois. Refrain, refrain. Et puis là, attention, piège. Refrain, refrain. En allemand, pas de refrain. Traduction en français. Ouais. Donc il y a 6, c'est pas 7. Si, attends, pas fini. 7. Et c'est la 6ème qui est avec la traduction. Dès que tu entends l'allemand, c'est qu'il n'y a pas de refrain après. Ouais.
1, 2. Direct 2. Allô.
Bienvenue à la cathédrale de Rennes, où nous nous retrouvons pour fêter le centenaire de la naissance de Marcel Callot, qui a été membre de la croisade eucharistique, membre des scouts et puis jossiste, qui a pris des responsabilités importantes en tant qu'ouvrier typographe à la fin des années 30 et début 40. Donc Marcel Callot va être aujourd'hui célébré par le diocèse. C'est un bienheureux et sa cause de canonisation a été donc introduite par le diocèse. Et aujourd'hui, donc, une grande fête a lieu à la cathédrale, ce qui sera suivi cet après-midi d'un concert, puis d'une exposition à la basilique Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Donc, je vous laisse découvrir cette grande fête à la cathédrale avec ce chant « Debout resplendis ». Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Toutes les nations marcheront vers ta lumière et les rois à ta clarté naissante. De nombreux troupeaux de chameaux te couvriront, les trésors des mers afflueront vers toi. Viendront des fades, Saba, de Kedar, faisant monter vers Dieu la louange. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. Jérusalem, Jérusalem, chante et danse pour ton Dieu. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Les étrangers rebâtiront tes remparts, et leurs rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. Debout resplendis, car voici ta lumière et sur toi la gloire du Seigneur. Lève les yeux et regarde au loin, que ton cœur tressaille d'allégresse. Voici tes fils qui reviennent vers toi et tes filles portées sur la hanche. Jérusalem, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse. D'Ornelas qui préside cette célébration arrive dans le chœur, précédée d'une longue procession avec les six emblèmes, drapeau et bannière, mèche, trois mouvements scouts, Jacques, apprenti d'Auteuil de Nogent-sur-Oise. Bien sûr, tous les prêtres présents se rassemblent actuellement dans le chœur pour célébrer cette grande messe, comme on dit, pour fêter donc le centenaire de Marcel Callot, qui est mort en déportation en 1945 en Allemagne. Les fils d'étrangers rebâtiront tes remparts et leurs rois passeront par tes portes. Je ferai de toi un sujet de joie, on t'appellera ville du Seigneur. Les jours de ton deuil seront tous accomplis, parmi les nations tu me glorifieras. Jérusalem, Jérusalem,
car voici ta lumière, et sur toi la gloire du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes amis, nous sommes dans la joie parce que le Seigneur nous a fait un don que nous recevons tous. C'est le don de Marcel, ce jeune qui nous parle à chacun d'entre nous. Et c'est lui qui nous rassemble parce que le Seigneur Jésus nous le donne avec sa sainteté, pour qu'il nous éclaire, pour qu'il nous illumine, pour qu'il nous encourage. Et je suis heureux de saluer ici les membres de la famille de Marcel. Bienvenue êtes-vous, vous aussi, qui êtes du mouvement eucharistique des jeunes, qui êtes du scoutisme et qui êtes aussi de la JOC. Bienvenue à vous dans cette cathédrale. Je voudrais aussi saluer les délégations qui viennent de France, les apprentis d'Auteuil et autres. Je voudrais saluer aussi les délégations qui viennent d'Allemagne, d'Autriche et aussi d'Afrique. C'est le bienheureux Marcel qui nous rassemble, qui nous attire. Et c'est lui qui va vers nous pour nous apporter sa lumière, celle qu'il a reçue de Dieu. Et ainsi, par l'intercession du bienheureux Marcel Callot, nous pouvons demander à Dieu la joie, la paix. Nous pouvons aussi demander à Dieu qu'il nous prépare à entrer dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes de pauvres pécheurs confiés à la miséricorde de Jésus qui, lui, nous pardonne et nous console. Demandons humblement pardon pour tous nos péchés et aussi pardon pour tous les péchés dans le monde, péchés de guerre, péchés de violence, péchés d'injustice. Oui, demandons pardon au Seigneur pour qu'il mette dans nos cœurs toute sa lumière. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai quitté ta maison. J'ai voulu posséder sans attendre le don. Pardonne-moi et purifie mon cœur. Qui Thank you.
Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, ne laisse pas le souci de nos tâches présentes entraver la marche de ceux qui se hâtent à la rencontre de ton Fils, mais forme-nous à la sagesse d'en haut qui nous fait entrer en communion avec Jésus. Tu as donné au jeune Marcel Callot, ton martyr, un zèle d'apôtre au milieu des travailleurs et jusque dans les camps de la mort. Accorde-nous, par son intercession, le même élan et la même audace pour témoigner de notre foi en Jésus. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au cours de cette célébration, les chants sont dirigés par Fabien Barxel, qui est le responsable de la musique liturgique dans le diocèse, et l'orchestre est dirigé par Judas Prévost de la paroisse Notre-Dame de Rennes en Saint-Melaine. Monseigneur Dornelas a à ses côtés le curé de la cathédrale et le curé doyen du centre-ville de Rennes, Nicolas Guillou, le père donc Erwan Delahaye. Lecture du livre du prophète Baruch. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère et revêt la parure de la gloire de Dieu pour toujours. Enveloppe-toi dans le manteau de la justice de Dieu. Mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel. Dieu va déployer ta splendeur partout sous le ciel, car Dieu pour toujours te donnera ses noms, paix de la justice et gloire de la piété envers Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du couchant au levant par la parole du Dieu Saint. Ils se réjouissent parce que Dieu se souvient. Tu les avais vus partir à pied, emmenés par les ennemis. Dieu te les ramène, portés en triomphe, comme sur un trône royal, car Dieu a décidé que les hautes montagnes et les collines éternelles seraient abaissées et que les vallées seraient comblées. Ainsi, la terre sera aplanie, afin qu'Israël chemine en sécurité dans la gloire de Dieu. Sous l'ordre de Dieu, les forêts et les arbres odorifiants donneront à Israël leur ombrage, car Dieu conduira Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, avec sa miséricorde et sa justice. Parole du Seigneur. Cette première lecture du livre de Baruch a été faite par un jeune de la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve.
Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur, quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous, nous étions en grande fête. Ramène, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert, qui sèment dans les larmes, moissonnent dans la joie. Quelle merveille il s'en va en pleurant, il jette la semence. Il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur vit pour nous, nous étions en Le psaume 125 a été chanté par Fabien Barxel et la chorale, et un jeune de la JEC va maintenant faire la seconde lecture, extraite de la lettre de saint Paul aux Philippiens, au chapitre 1, à partir du verset 4. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. À cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annoncer de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement au jour où viendra le Christ Jésus. Dieu est témoin de ma vie, d'affection sur vous, tout dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, j'ai demandé que votre amour va se manifester de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serait
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Iturée et de Traconitide, Lysanias en Abilene, le grand prêtre étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région de Jourdan en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Christ, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout être vivant verront le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous allons maintenant entendre l'homélie de Mgr Dornelas, archevêque de Rennes, qui préside cette grande célébration solennelle pour le centenaire de la naissance de Marcel Callot, le bienheureux Marcel Callot, dont la cause de canonisation a été introduite par le diocèse. Donc nous écoutons Mgr. Mes amis, nous l'avons tous entendu en ce deuxième dimanche de l'Avent. Le prophète clame, quitte ta robe de tristesse. C'est la grande acclamation du prophète. C'est la grande demande du prophète, quitte ta robe de tristesse. Et en entendant cette phrase, je pensais à Marcel et à sa tristesse. Quand il a dû partir en Allemagne pour le service du travail obligatoire, quelle tristesse n'a-t-il pas ressenti d'être séparé de sa famille, d'être séparé de sa fiancée, mais aussi, il note dans ses lettres sa tristesse de voir, comme il le dit lui-même, la misère morale de ceux avec qui il vit au service du travail obligatoire. Cette tristesse le fait aussi pleurer. Il a du mal à retenir les larmes. Il a la gorge serrée parce que certains de ses camarades sont décédés au cours de ce travail en Allemagne. Et il y a donc la messe, comme il écrit, de Requiem. Mais cette messe de Requiem lui est insupportable, parce qu'à chaque fois, il pense à la messe de Requiem pour sa sœur Marie-Madeleine, qui a été célébrée dans cette cathédrale, juste avant qu'il parte en Allemagne. Oui, Marcel Callot a connu, comme il dit lui-même, les assauts sur le moral. Et voilà que le Christ s'approchait de lui à chaque fois. Et Jésus pouvait lui dire dans le fond de son cœur, « Marcel, quitte ta robe de tristesse. Revêt la parure de la gloire de Dieu. » Et cette gloire de Dieu, ce n'est pas autre chose que l'amour. Et dans les lettres, on voit Marcel qui est ressaisi, qui est consolé et qui, avec le Christ, va se mettre au service de ses frères, va préparer
le chemin pour que ses frères, qui sont présents avec lui en Allemagne, trouvent le Christ. Un peu comme Jean-Baptiste qui, dans le désert, essaye de frayer une voie, un chemin, pour que le Christ soit connu. Dieu sait si Marcel a été consolé par le Christ de sa tristesse. Quand on parcourt ses lettres, on est impressionné de voir à quel point, comme nous tous, avec un cœur aimant, un cœur aimé, il souffre de la séparation. Une de ses tristesses aussi, ce sera de ne pas être présent à l'ordination de son frère Jean, qui sera ordonné prêtre, de ne pas être présent à la première grand-messe de son frère Jean, de ne pas être présent à ce moment-là où il aurait dû célébrer les fiançailles avec sa chère Marguerite. Quelle tristesse pour Marcel. Et voilà qu'à chaque fois, quand il parle de sa tristesse, vient le Christ qui m'a consolé. Le Christ qui m'a redonné de l'espoir. Jusqu'à cette phrase étonnante de Marcel quand il dit « À tout moment, le Christ est avec moi. » Et sans lui, je ne sais pas ce que je deviendrai. Marcel, c'est aussi celui qui prie. Et dans ses lettres éloignées des siens, nous pouvons dire que cette phrase de saint Paul est la phrase de Marcel. Frère, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, sa famille, vous tous, sa fiancée, la maman de Marguerite, sa fiancée qui aura la douleur de perdre son père. Et voilà que Marcel se met en prière et il va offrir une messe. Et souvent à la messe, jamais il ne pense à lui, mais je prie pour vous. Pour la fête des mères, voilà que Marcel va à la messe. Pour toi, maman, ou encore cette prière pour que son frère Jean, qui est prêtre, soit un saint prêtre. Oui, cette phrase de saint Paul s'applique magnifiquement à Marcel. Frère, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais. Plusieurs fois, Marcel va parler de sa joie, qui est en contraste avec sa tristesse, avec son désespoir d'être éloigné. Le Christ lui donne la joie. Et juste avant d'être emprisonné, le 19 avril 1944, moins d'un mois avant, il va pouvoir évoquer le fait qu'il va à la messe, qu'il peut aller à la messe, et il dit cette phrase, « C'est avec joie que je participe à la messe. » Il a trouvé la joie dans l'Eucharistie, où il rencontrait le Christ vraiment, de toute la profondeur de sa foi. Le voilà, notre Marcel. Ce Marcel, c'est aussi celui qui a une haute idée de sa mission. Non pas qu'il pense avoir une mission particulière, mais comme naturellement, dans ce qu'il a appris dans la croisade eucharistique, dans ce qu'il a appris dans le scoutisme,
et dans ce qu'il a appris dans la JOC, la jeunesse ouvrière chrétienne, voici que ce qu'il a appris, il va non seulement le promouvoir, l'enseigner, mais surtout le vivre. Et voici ce qu'il dit dans une veillée à Rennes, avant de partir, sans savoir qu'il allait partir, mais avant de partir pour le service du travail obligatoire en Allemagne. Nous voulons vivre de cette fraternité qui animait les premiers chrétiens. Nous continuons leurs œuvres. Nous avons leur foi, leur dynamisme, comme eux. Nous devons être les premiers apôtres dans nos milieux de vie, comme eux. Nous sommes aidés par le Christ qui nous comble de ses grâces. Comme eux, nous serons les piliers de la société nouvelle. Voilà que Marcel se réfère aux premiers chrétiens. Et que connaît-il des premiers chrétiens dans ce qu'il a appris dans l'Eucharistie, dans le scoutisme et dans la JOC? Il a appris cette fraternité au nom de Jésus. Si Jésus nous rassemble, c'est pour que nous soyons les frères et les sœurs les uns des autres, quelle que soit notre histoire, quelle que soit notre condition sociale. Et il a cette affirmation, nous voulons, voilà le désir de Marcel qu'il présente à tous les jossistes. Nous voulons vivre de cette fraternité qui animait les premiers chrétiens. Nous continuons leurs œuvres. Voilà qu'aujourd'hui, Marcel, qui est présent au milieu de nous, nous dit à chacun d'entre nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, nous, chrétiens, nous continuons l'œuvre des premiers chrétiens. Et comment nous continuons l'œuvre des premiers chrétiens? Nous avons leur foi, leur dynamisme. Nous devons être les premiers apôtres, où ça? Dans nos milieux de vie. Et qu'ajoute-t-il? Nous sommes aidés par le Christ qui nous comble de ses grâces. Rien n'est possible sans le Christ, comme rien n'était possible aux premiers chrétiens sans le Christ. C'était une veillée, un soir, la guerre avait été déclarée depuis le 1er septembre 1939, et voici ce qu'ajoute Marcel, « Ce soir, dans les temps difficiles que nous traversons, chacun d'entre nous peut peut-être voir qu'il y a des temps difficiles dans sa vie. Ce soir, dans les temps difficiles que nous traversons, cette veillée va nous remettre dans l'atmosphère de cette époque si troublée que vit les débuts du christianisme. Dans cette communauté si forte que nous, jossistes, nous continuons. Dans cette communauté si forte que nous, jossistes, scouts, mégistes, apprentis d'Auteuil, jeunes, adultes, cette communauté que nous formons, cette communauté chrétienne que nous formons, nous continuons l'œuvre des premiers disciples, des premiers chrétiens. Et alors, Marcel ajoute, essayons de nous pénétrer,
de la charité qui les animait, ces premiers chrétiens. Essayons de nous pénétrer de la charité qui les animait. Ressentons entre nous cette communion d'idéal. Pénétrons-nous du grand amour qui les animait quand ils se réunissaient au nom du Seigneur Jésus. Si vous le voulez bien, Marcel qui parle des disciples qui viennent de se réunir autour du Maître, autour de Jésus, comme les premiers chrétiens, eh bien Marcel s'adresse à nous, c'est nous tous, moi comme vous, vous et moi, avec tous les prêtres, les diacres, et nous tous ici ensemble. Nous sommes une communauté réunie autour du Maître, Jésus. Et voilà que Marcel, ce jeune, nous dit, quand il écrit cela, il a 20 ans, essayons de nous pénétrer de la charité qui les animait. Ressentons entre nous cette communion d'idéal. Pénétrons-nous du grand amour qui les animait quand ils se réunissaient au nom du Seigneur. Mes amis, quelle chance nous avons de connaître Marcel, d'apprendre à le connaître, de le laisser nous parler, de le prier pour qu'il intercède pour nous. Et nous pourrions demander tous aujourd'hui, à l'occasion du 100e anniversaire de sa naissance, nous pouvons dire à Marcel, pour lequel une chapelle dans cette cathédrale lui est dédiée, nous pouvons tout simplement lui demander, cher Marcel, toi qui es vivant au ciel, redis-nous ce que tu as dit à tes camarades Jossis quand tu avais 19-20 ans. Redis-nous que nous avons à essayer de nous laisser pénétrer de cette charité des premiers disciples. Redis-nous que nous avons à apprendre à vivre de ce grand amour qui animait les premiers disciples quand ils se réunissaient autour du Maître. N'est-il pas vrai que je peux maintenant laisser parler le pape François quand il parle de ces jeunes saints qui illuminent l'Église, le monde? Écoutez ce que dit le pape François juste avant qu'il parle de Marcel Callot comme un exemple pour tous les jeunes du monde entier. Le cœur de l'Église, et le cœur de l'Église à Rennes, le cœur de l'Église dans l'Oise, le cœur de l'Église dans beaucoup de lieux en France, le cœur de l'Église à Francfort, à Erfurt, à Paderborn, à Linz, le cœur de l'Église à Koudougou au Burkina Faso, le cœur de l'Église à Abidjan en Côte d'Ivoire, le cœur de l'Église dans beaucoup d'endroits. Le cœur de l'Église est riche de jeunes saints qui ont offert leur vie pour le Christ et pour beaucoup en allant jusqu'au martyr. Voilà Marcel qui est allé jusqu'au martyr. Ils ont été de précieux reflets du Christ jeune qui brille pour nous stimuler et pour nous sortir du sommeil. À travers la sainteté des jeunes, l'Église peut relancer son ardeur spirituelle et sa vigueur apostolique, c'est-à-dire la vigueur de son témoignage. Le baume de la sainteté engendré par la bonté de la vie de tant de jeunes,
peut soigner les blessures de l'Église et du monde en nous ramenant à la plénitude de l'amour à laquelle nous sommes appelés depuis toujours. Les jeunes saints nous poussent à revenir à notre premier amour. Mes amis, nous pouvons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné le jeune Marcel qui illumine nos vies par son amour jusqu'au don total, son amour jusqu'à l'épuisement, son amour d'une pureté extraordinaire, son amour qui a transparu dans son dernier regard juste avant sa mort, où le médecin qui était là dans le camp de Mauthausen a pu témoigner qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce regard, un regard d'espérance. J'ai vu, dit-il, ce médecin, le regard d'un saint. Et que voyait Marcel ? Je ne sais pas, mais peut-être. L'espérance que le Christ continue à construire la fraternité où nous nous aimons en vérité les uns les autres selon la grâce du Seigneur Jésus, selon la grâce de l'Évangile. Mes amis, soyons fidèles au message de Marcel Callot aujourd'hui et demandons à Marcel Callot qu'il nous aide du haut du ciel à remplir notre cœur de charité, à remplir notre cœur d'amour, à remplir notre cœur d'espérance pour que nous puissions considérer tout homme, comme il le dit lui-même, comme un frère, tout être humain comme un frère, comme une sœur, qui mérite notre amour, notre délicatesse, que nous nous engagions à son service et que nous puissions faire triompher la joie de croire en Jésus, la joie d'être avec Jésus, la joie de travailler à cette fraternité, la joie d'être consolé et accompagné chaque jour par le Christ. Et voici Marcel Callot, en pédagogue, en jeune, qui nous parle avec beaucoup d'affection. Une fois que nous avons entendu tout cela, une fois qu'il nous a enseigné sur Jésus, Marcel Callot termine. Il avait 20 ans. Sur quel point tout cela va-t-il modifier ma façon de penser, de prier, ma façon d'être apôtre, de travailler, de passer mes loisirs? Et il ajoute cette dernière question que nous pouvons tous entendre. C'est une question que Marcel, qui est là, avec cette magnifique statue des apprentis d'Auteuil, avec ce magnifique portrait, voilà Marcel qui nous dit à chacun d'entre nous: qu'ai-je à promettre au Christ pour l'avenir? Qu'ai-je à changer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais y ajouter? Cher Marcel, toi qui es bienheureux au ciel, prie pour moi, prie pour nous tous. Aide-moi à trouver au fond de mon cœur quelle promesse je vais faire au Christ pour l'avenir de ma vie. Amen. Vous venez d'entendre donc l'homélie de Mgr Dornelas pour le centenaire de Marcel Callot à la cathédrale de Rennes. Alors,
Il a insisté beaucoup sur la fraternité et sur les assauts qu'a connu Marcel, les assauts sur le moral. Et chaque fois, il est consolé par le Christ qui va, et il va s'engager davantage auprès de ses frères pour que le Christ soit connu. Marcel a vécu une grande tristesse de ne pas être à l'ordination de son frère Jean. Et avec joie, tous ensemble, et nous en communion avec tous les chrétiens et nous qui poursuivons se réunissent cette à travers messe. Le monde, et en particulier avec tous les chrétiens qui sont persécutés, tout simplement parce qu'ils aiment le Seigneur Jésus, affirmons avec joie notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et est enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Fortifié par la parole de Dieu et par le témoignage du bienheureux Marcel Callot, nous pouvons nous tourner vers Dieu en toute confiance, lui qui nous aime, et lui présenter toutes nos intentions de prière. Et nous chantons le refrain. Qu'elle soit vivante, joyeuse et audacieuse. Qu'elle se mette à l'écoute de ceux qui en ont besoin. Et qu'elle sache se remettre en question pour prendre soin des plus pauvres, des plus faibles. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous en ce jour. Répands sur le monde. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Seigneur, nous te prions pour que notre maison commune, qu'elle soit un lieu où chacun puisse dignement, en ayant accès aux ressources que Dieu nous a offertes, pour une civilisation d'amour, dans lesquels les riches se mettent au service des plus pauvres. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde. Seigneur, nous te confions notre diocèse. Nous te prions pour les évêques, les prêtres, les diacres et les séminaristes. Que ta présence les aide à guider les chrétiens en toutes circonstances. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous.
sur le monde ton amour. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Seigneur, à travers Marcel Callo, tu nous dis, ce qui n'est pas possible à un sera possible à plusieurs. Aujourd'hui comme hier, les jeunes cherchent à donner du sens à leur vie pour que tous les jeunes agissent pour un monde plus beau, plus solidaire et aient à cœur de se mettre à l'écoute des autres. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie de Marcel Callo et nous te prions pour qu'en suivant ton exemple, les jeunes s'engagent toujours plus à la suite du Christ et au service des autres. Seigneur, nous te prions. Guter Gott, unser Pfadfinderpatron Marcel Callo hat sich als Missionar verstanden, in Frankreich, Deutschland und Österreich. Wir bitten dich für alle Menschen in Europa, lass deine frohe Botschaft von Miteinander in Verschiedenheit auf offene Herzen treffen. Herr, wir bitten dich. Bon Dieu, notre patron, scout Marcel Callo, se considère comme un missionnaire. En France, en Allemagne et en Autriche. Nous vous demandons pour tout le peuple d'Europe que ta bonne nouvelle d'unité dans la diversité raconte de cœur ouvert. Seigneur, nous te prions. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Écoute-nous en ce jour, répands sur le monde ton amour. Et je vous invite à prier dans cette prière universelle pour les prisonniers à la grande prison de Rennes, car en ce moment, une messe est célébrée avec eux, pour Marcel Callo, en leur donnant cette image, une image, ce portrait de Marcel Callo, puisque Marcel lui-même a été prisonnier à Gotha, pour que Marcel prie pour tous les prisonniers afin qu'ils rencontrent le Christ qui les console. Béni sois-tu, Seigneur, reçois la louange de tes serviteurs. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui sauves tous les hommes et ne veux en perdre aucun, exauce les prières de ton peuple. Fais que les événements du monde se déroulent pour nous dans la paix, selon ton dessein, et que ton Église connaisse la joie de te servir avec audace au milieu de tous les hommes, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Vous êtes à l'écoute de la retransmission de l'Eucharistie pour le centenaire du bienheureux Marcel Callo à la cathédrale de Rennes, une célébration présidée par Mgr Pierre Dornelas, archevêque,
avec à ses côtés le père Nicolas Guillou, qui est le curé doyen du centre-ville de Rennes, mais aussi le curé de la paroisse Notre-Dame de Rennes en Saint-Melaine et bien sûr de la basilique Notre-Dame de Bonne-Nouvelle, église Saint-Aubin, la paroisse de Marcel Callot. Il y a donc dans cette cathédrale un public abondant, très nombreux aujourd'hui, avec les délégations de la JOC, des scouts, Meige, mais aussi les délégations allemandes, autrichiennes et bien sûr toute la famille de Marcel Callot avec deux de ses sœurs qui sont devant en fauteuil roulant. Actuellement, c'est la précession des offrandes. Alors, pour revenir donc sur l'homélie de Mgr Dornelas, il a beaucoup insisté sur la fraternité et sur le zèle missionnaire de Marcel Callot. Il voulait donc son groupe de jossistes ressemble aux premiers chrétiens, avec tout le zèle qu'ils avaient. Et Marcel disait à tout moment, le Christ est avec moi, sans lui, je ne sais pas ce que je deviendrai. Chaque fois que je le prie pour vous, c'est avec joie que je le fais. Et il disait donc, nous voulons vivre cette fraternité qui animait les premiers chrétiens. Nous voulons être les premiers apôtres dans nos milieux de vie. Comme eux, hein, nous serons les piliers de la sainteté nouvelle et de la société nouvelle. Nous voulons vivre cette fraternité qui animait les premiers chrétiens. Et donc, il appelait Jésus à faire en sorte que tous ses camarades soient pénétrés du grand amour qui animait ces premiers chrétiens quand ils se réunissaient au nom du Seigneur. Alors l'archevêque a prié en demandant à Marcel Callot, redis-nous ce que tu as dit aux jossistes quand tu avais 20 ans, pour que nous aussi, nous soyons emplis de ce même zèle missionnaire. Mgr Dornelas a cité le pape François, qui appelle les jeunes à la sainteté pour illuminer l'Église, en disant le cœur de l'Église est riche de jeunes qui ont offert leur vie pour le Christ, parfois jusqu'au martyr. Les jeunes saints nous poussent à revenir à nos premiers amours et à notre premier amour, le Christ. Et il a rappelé, Mgr Dornelas, le regard de Marcel au moment de sa mort, qui a été comme un rayon de lumière, un signe de sainteté pour les témoins. Thank you.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, laisse-toi fléchir par nos offrandes et nos humbles prières. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en assumant l'humble condition de notre chair pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus Deus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Venis in celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. La création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit-Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain en te rendant grâce. Il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, en premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, le bienheureux Marcel Callot, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, le pape François, notre évêque Pierre, son auxiliaire Alexandre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Accueille-les dans ton royaume. Nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par Jésus notre Seigneur, pour qui tu donnes au monde toutes tes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous l'avons appris du Seigneur Jésus, notre Sauveur, et selon son commandement,
tous ensemble, d'un seul cœur et d'une seule âme, avec foi et avec amour, nous osons chanter la prière des enfants bien-aimés de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité de Christ, faites-vous un geste de paix. Nobis pacem.
l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Vous suivez actuellement la messe du centenaire de la naissance de Marcel Callot à la cathédrale de Rennes. Une cathédrale qui est comble. Nombreux sont ceux qui sont venus prier avec Marcel Callot pour que nous soyons davantage frères, pour que nous nous rapprochions sans cesse du Christ, pour que nous retrouvions le zèle missionnaire des premiers disciples. Je suis un Dieu, soyez les bons.
Vous suivez donc le centenaire de la naissance de Marcel Callot, une grande célébration à la cathédrale de Rennes qui sera suivie cet après-midi à Notre-Dame de Rennes en Saint-Molène d'un concert du groupe Open et puis de l'ouverture de l'exposition mémoriale à la basilique Notre-Dame de Bonne-Nouvelle Saint-Aubin. Vous pouvez entendre actuellement donc l'orchestre dirigé par Gilles Daprévost de la paroisse Notre-Dame de Rennes en Saint-Molène, qui était aussi par d'une certaine façon celle de Marcel Callot, puisque Saint-Aubin a été rattaché donc à Notre-Dame de Rennes en Saint-Molène, et Marcel Callot donc a vécu dans le quartier autour de l'église Saint-Aubin Notre-Dame de Bonne-Nouvelle. Reconnu à la fraction du pain.
L'Eucharistie va bientôt se terminer à la cathédrale de Rennes. Et donc, je vous rappelle que cet après-midi, il est possible de suivre un concert de louanges open à l'église Notre-Dame de Rennes en Saint-Melaine et à la basilique Saint-Aubin, Notre-Dame de Rennes, de Bonne Nouvelle, une grande exposition qui retrace le chemin de vie de Marcel Callot pendant la Seconde Guerre mondiale, qui sera donc ouverte tous les jours de décembre de 12h à 18h, donc place Sainte-Anne. L'exposition sera inaugurée donc cet après-midi et se tiendra toute l'année 2022. Elle s'adresse à tout public, aux enfants comme aux grands. Seigneur notre Dieu, comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Et ensemble, nous pouvons nous tourner vers la Vierge Marie en la chantant. Je me souviens d'une lettre de Marcel Callot qui avait reçu avec beaucoup de joie, quand il était en Allemagne, la médaille qui représentait Notre-Dame de Bonne Nouvelle. Et dans sa lettre, il précise qu'il embrasse tous les soirs cette médaille comme pour saluer la Vierge Marie. Alors nous pouvons tous ensemble la saluer, la prier et la remercier. Qui est sur notre livret, priez Dieu par l'intercession de Marcel Callot, en nous tournant tout simplement vers cet autel devant lequel il y a le portrait de Marcel, mais aussi la croix des immortels, cette croix dans la prison de Gotha, devant laquelle il a prié avec 11 de ses camarades, comme si cette croix était le symbole de la prière de Marcel et de ses camarades. Et nous aussi, tous ensemble, nous disons cette prière qui est sur votre livret. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour ton Fils Jésus. Il nous fait passer des ténèbres à ton admirable lumière. Il est notre paix. Sois béni pour ton serviteur, le bienheureux Marcel Callot. Fort de son amitié avec le Christ, il a subi l'ombre de la haine au camp de Mauthausen
et y a fait luire la lumière de l'amour et de l'espérance. Grâce à son intercession, fais de nous des artisans de paix. Accorde-nous la grâce que nous te demandons. Alors, dans le silence de nos cœurs, faisons chacun une prière à Marcel Callot. Nous qui sommes jeunes, enfants, demandons-lui le trésor de grâce que nous voulons pour notre vie. Demandons-lui de devenir comme lui, un saint, une saint, un saint. Et je suis heureux de demander la bénédiction pour chacun et pour chacune d'entre vous. Et que dans sa bénédiction, Dieu vous garde toujours dans la joie de suivre les témoins que Jésus nous donne, les jeunes témoins du Christ, que Jésus ne cesse pas de nous donner sur nos routes. Aujourd'hui, il nous donne ce jeune témoin du Christ, Marcel. Soyons heureux de le suivre, et je demande à Dieu dans sa bénédiction qu'il vous garde dans la joie, dans l'audace, dans l'enthousiasme, tout simplement parce que nous sommes chrétiens, pour témoigner de cet amour de Jésus, là où nous sommes, dans nos mouvements, dans nos établissements scolaires, dans nos lieux de vie, et dans nos familles, et dans nos lieux de travail. Que c'est beau d'avoir la joie d'être témoin de Christ et de son amour, là où nous sommes. Et je demande à Dieu de bénir votre désir à chacun et à chacune d'être des témoins. Je lui demande de bénir en particulier les membres de la famille de Marcel, et en particulier, vous, chères sœurs de Marcel, je suis heureux que vous soyez là, je demande à Dieu de vous bénir de façon particulière. Et je demande à Dieu aussi de bénir celles et ceux qui peut-être portaient une difficulté ou une épreuve dans votre vie, afin que Dieu, par sa présence, vous apporte la douceur de sa consolation. Ou peut-être pour des personnes que vous connaissez et qui sont dans la difficulté, dans l'épreuve. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Merci beaucoup pour la chorale qui chante magnifiquement et qui nous aide à chanter maintenant. Juste avant de prendre la musique, nous allons tous sortir de la cathédrale ensemble en procession derrière un bagade pour rejoindre en 5 minutes l'église Saint-Aubin, où une surprise avec Marcel Callot nous y attend. Nous allons découvrir son nouveau visage. Alors traversons le centre-ville dans la joie, tous ensemble. Ne laissons personne sur le bas-côté de la route et tous rendez-vous derrière le bagade. Allez partout de la terre, annoncez l'évangile aux nations. Allez partout de la terre, annoncez l'évangile.
vous avez pu suivre donc sur le YouTube de KTO cette messe du centenaire à la cathédrale de Rennes, présidée par Mgr Dornéas, avec bien sûr des délégations du MEJ, Mouvement Eucharistique des Jeunes, donc qui a succédé à la croisade eucharistique, les mouvements scouts, unitaires, scouts de France, scouts d'Europe, bien sûr les membres de la famille de Marcel Callot, les délégations autrichiennes et allemandes, donc tous ceux qui ont été touchés par la grâce de Marcel Callot, ce Marcel Callot qui est parti donc en Allemagne comme missionnaire auprès de ses camarades, et bien pour leur permettre de trouver le Christ dans des conditions extrêmement difficiles, puisque lui est mort martyr dans un camp de concentration en Allemagne au mois de mars 1945. Voilà, la cathédrale se vide actuellement. Un bagade, donc, comme l'a dit le père Nicolas Guillou, curé de la paroisse Notre-Dame de Rennes en Saint-Melaine et Notre-Dame de Bonne-Nouvelle Saint-Aubin, paroisse de Marcel Callot. Un bagade va donc accompagner toute la foule vers la place Sainte-Anne, la basilique Saint-Aubin, la paroisse de Marcel Callot, où un portrait donc va être dévoilé. Un portrait du bienheureux va être dévoilé. Voilà, donc nous nous retrouvons, si vous êtes habitant de l'Ille-et-Vilaine, sur RCF Alpha, demain à 11h15, pour une émission avec deux historiens, Samuel Jiquel et Marc Bergère, pour présenter donc l'histoire de Marcel Callot, l'histoire de Marcel Callot qui est présentée donc dans cette exposition de la basilique Notre-Dame de Bonne-Nouvelle Saint-Aubin, qui sera ouverte à 17h. Et donc ces deux historiens de Rennes 2 ont préparé cette exposition et donc l'ont expliqué sur RCF Alpha. Vous pouvez les retrouver sur le forum, dans le forum de la rédaction, demain à 11h15, mercredi à 19h30 et samedi prochain à 9h30. Et vous pouvez aller sur bien sûr sur le site RCF où retrouver quantité d'émissions consacrées à Marcel Callot. Voilà. Avec les productions du Regard, nous vous disons donc au revoir et à bientôt.